Allez, on pioche le trésor. Ah, un. Bon, c'est déjà ça. Il me restait une action. Je vais faire un incité. Ici, de diminuer au maximum, parce que là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 de la défaite. 5 réputations de la défaite. Je vais faire un incité que je vais booster comme un porca. Hop, avec le... Ah non. Je vais parier du coup. Il faut que je fasse 9. 9, je vais utiliser ces... Ah, j'ai déjà utilisé. J'ai déjà utilisé. Je pensais à mon DRM. Ouais, allez. J'incite. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Eh ben, ça marche. Je mets un et je perds un de réputation. Il me reste encore une action. Je vais me déplacer ici. Ouais, je vais faire ça. Pour le prochain tour, je pourrais faire mon... mon torpedo. Allez, ça marche. On fait comme ça. Allez, aventure. À jouer. Alors, je peux le faire. Alors, je sais à jouer tout de suite. Je peux sacrifier une ressource non émo ou un caractère. S'il est. Ouais, sacrifié s'il est disponible. Voilà. Et pour chacun que j'ai sacrifié, je gagne un émo et un de réputation. Et ça, on le met dans les loupés. Je vais sacrifier. Alors, je peux regagner de la coque du coup, je crois, et je peux regagner de la coque. Donc, j'ai sacrifié. J'aimerais bien remonter de 2 le Nemo. Donc, je vais sacrifier un de coque et un de crew pour regagner 2 de Nemo. Même pas du crew. Non, moi, je vais gagner qu'un de Nemo. On va le faire comme ça. Et un de réputation du coup. Hop. Ok. Phase de placement. Alors, 2 dans le 1. Ok. Dans le 5. Ok. Et dans le 6 que je connecte ici. Ok. Je choisis le 6 et le 1. J'ai 5 d'action. C'est pas mal. Allez, le torpedo. Sur lui. Ça passe, nickel. Nord-Atlantique. Ok. 2 de réputation. Je suis à 3 de perdre la partie. Je vais faire tout de suite un incité que je vais surdoper à 4 et parier du coup. 6, 7, 8 et 4. 12 et 3. C'est gagné à plus de 12. Je mets mon cube incité, je perds 2 de réputation. Je vais réinsister dans cette voie. Je vais lui mettre plus 1 également. Et en pariant du coup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10, c'est encore une réussite pour l'incité. Et je descends de 1 ma réputation. Ok, en fait j'ai pas fait un résultat de 10. Hein. On recalcule calmement. 4, 5, 6, plus 3, 9, plus 1 de trésor, 10, moins 1 parce qu'il y avait déjà un cube, j'ai fait 9. Et dans le succès de 9 à 11, je me place un cube et je perds. Ouais, je diminue ma réputation de 1. Donc on est bon. Je vais faire un stack attack sur lui. Un bateau de guerre qui attaque à 8, donc il va essayer de m'attaquer en premier déjà. 8, c'est bon, je dois faire 8 ou plus pour pas qu'il m'attaque, et en plus j'ai un modificateur, ils ont moins 1 pour m'attaquer, hein, donc du coup
le dé, c'est comme si ça faisait un 9. Ok. Et ben moi je l'attaque en stalk. Je dois faire 11. Je parie du coup, ça me fait 8. Ça fait beaucoup quand même, hein. Allez, hein. Allez, je vais faire ça. 8. Oh. Ah, c'est une belle lose là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je dois faire 11. Oh la vache, ça passe pas. Je vais utiliser ça. Ça me permet de changer. Je le mets en passé. Ça permet de changer une phase de dé dans le chiffre que je veux. Donc au lieu de 1, je mets 6. Ça fait 8. C'est cher payé, hein. Mais bon, du coup, ça passe en stalk attaque. Donc je gagne 1 de réputation. North Atlantique. Ok. Je vais encore faire un stalk attaque sur lui. Avec une action. Quoique. Quoique. Je suis où là? Je suis au North. North, ouais, il faut que j'en bute encore un. Allez, je le fais. Je vais essayer d'en buter encore un. Encore un bateau de guerre. 8. Alors, ça fait 7, mais vu qu'il a moins 1, ça passe. Limite, lucky. Mais ça passe. Et je dois faire 10. Là, je suis en stalk. Je parie 3 et 1, 4. On va faire du coup 6 ou plus. Yes, ça passe. Je gagne un seul de réputation. Et on est dans le North Atlantique. Ok. Donc, je ne sais pas si j'ai utilisé ça. J'ai fait le torpedo. Une attaque, deux attaques. C'est bon. Le torpedo, une attaque, deux attaques. Faut que j'essaye d'aller faire et de l'incitation. Faut que j'aille au South Atlantique. Faut que j'essaye d'aller South Atlantique. C'est là. Alors, pour une action, boum. Je peux faire de l'incité. Donc, je vais faire de l'incité tout de suite. Hop, je fais de l'incité une fois. En pariant du coup. Oh, double 1, c'est un fail. C'est un fail. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, j'ai utilisé ça pour ajouter plus 3 après un rôle. Donc ça me fait un 8 et je perds un Nemo. Purée. Ça me fait un 8 en incitif et ça fait aucun effet. Allez, je réessaye. Quatre, cinq, six, sept, huit, encore une fois. Et ça ne fait rien. Ça fait rien. Mais c'est pas une défaite. De 7 à 8, c'est vert. C'est de l'empathie. No effect. Mais c'est pas une lose, donc je perds pas mes ressources. Mais bon. Je vais utiliser ça. Un des trois d'action. Deux actions. Ok. Allez, je vais. Ben, je vais faire un bolt attaqué sur lui pour une action. Ce n'est pas un bateau de guerre et en plus il ne me donnera pas de réputation. Je dois faire un 9. Ça passe en natif. Parfait. South Atlantique. Et ma dernière action, c'est la même. Je vais essayer de le torpiller. Oh, j'ai de la chance. C'est pas un 9. Donc c'est la même. Je parie 3. J'ai un bot d'attaque. Ça passe.
Yes. Ok, je vais essayer de remplir ce tableau là, ici. Donc il m'en faut un en Eastern Pacific et un en Océan Indien, donc je vais aller plutôt là après. Ok. Carte aventure. Oh, alors, la carte spéciale qui arrive forcément dans toutes les parties. Donc, celle-ci, je dois mélanger les gros bateaux de guerre dans le pool des possibles. Mais avant tout, je dois discard de cette pile un nombre de bateaux rouges égal aux défaites non réalisées. Donc, celle-ci, enfin, je m'exprime, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. On en a passé une, mais on n'a pas passé 3. Donc, on va défausser 3 bateaux, hop, de cette pile. À cela, on va en dropper un au hasard. Et on va se battre tout de suite dessus, contre lui. Hop, il y en a un qui est tombé. Et les 3 autres, on les met dans le pool des possibles. Celui-ci, on se tape tout de suite dessus. Et c'est une Stalk attaque. Donc il apparaît dans l'océan. Il nous attaque, ah, le cochon. Et après, on fait une. On le fait. Enfin, on attaque nous. Donc, ce bateau, il est à 9, 11 de défense, 2 de réputation, 4 de valeur. Allez, on fait un 9. J'ai un bonus de 1 hein, avec mon équipement, donc ça fait 8. 4, 5, 6. Il me fait 2 touches. Il me les fait où? 1 dans le crew et 1 dans la coque. À moi. 11, je parie de l'équipage. Je dois faire 8. Même pas. J'ai un stack attack 1, ça fait 4. Je dois faire 7. Allez, 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 allez. Ça fait que je perds 2 d'équipage. Ah, ça fait mal. Donc, je perds. Ok, mais je perds 2 de ressources. Parce que je perds pas avec un 1. Super. Wouhou. Phase de placement. Alors, dans le 2. Ok. 2 dans le 4. 1 ici. Et on ne. Si, ici, on peut. Et dans le 5. Ok. Je choisis le 5 et le 2 pour avoir 3 actions. Je vais faire le torpedo d'office sur lui. Ça passe. Bim. South Atlantic ici. 2 de réputation par contre. Dans 2 de réputation, je lose. Bah, je vais faire un incité. Hein. C'est écrit. Je vais faire un incité et faire un gros chiffre. Je vais faire un gros chiffre. Ouais, essayez du moins. Alors déjà, d'office, je vais utiliser cette carte pour... Oh là là, non. Quoique... Ouais, si je vais utiliser cette carte pour gagner 2 de coque. Ok, allez. J'essaie de faire un gros chiffre. Je vais parier un Nemo à 3. Oh, 6, 7 et 3, 10. C'est déjà un succès. Je perds un seul de réputation et je place un cube. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Indian Ocean ou Western Pacific? Western Pacific, c'est pas urgent. Allez, on va aller Indian Ocean. Pour un point d'action et pour un point d'action, je vais essayer de me tarter celui-ci à 10 et je parie. Qu'est-ce que je vais parier? Allez, je parie un. Alors, je parie pas tout de suite. Là, ouais, si je l'ai dit, je parie un Nemo. Allez.
5, 6, 7, 8 et 3, 11, ça passe. Ok. Je gagne 1 de réputation. Je vais défausser ça pour gagner 1 de Nemo. Ok. J'ai plus d'action. Voilà, la fin de game, elle me. Ça me coûte cher. Allez. Autre action. Event 50, les mines magnétiques. Je peux parier du Nemo et de la coque. Je passe un test de 10. Et si j'y arrive, je passe cette carte dans les upgrades possibles. Et qu'est-ce que ça fait? Oh! Si je l'achète en upgrade, les bateaux de guerre métalliques. M'attaqueront pas en premier, c'est moi qui les attaquerai en premier. Ah, c'est fort ça. Allez, 10. Si je loupe, je discarde un trésor de mon choix. Allez, non, je parie. Boum, je parie tout. Nemo et de la coque. 5 et 5, 10, c'est tout bon. Je le place en équipement valable. Ok, phase de placement. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3 et 5. Ok. Alors j'avais 1, 2, 3 et 5. Donc 5 et 5 et 1. J'avais ça, hein. Donc ça fait 4 actions. Allez, je vais essayer d'inciter. Je vais essayer d'inciter. En pariant. Du Nemo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, à un près, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hop, incité ici et je gagne un de réputation. C'était une action. Ouais, je pourrais les finir les deux là. Allez, je vais faire un stall attaque. Ouf. Alors lui il m'attaque 8. Ah, oh, il me fait un dégât. Il me le fait où? Dans le 4, c'est la coque. Et moi je dois faire 11. Je parie du Nemo. Ouais, je parie du Nemo. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1 de stack attack, ça fait 11 pile. Vu que c'est un stack, je gagne 1 de réputation. Je suis à 2 de paumé au niveau de la réputation. Ok, donc ça m'a fait une action. Hop, là. Ah mais j'ai mon torpedo aussi. Je vais faire après. Là, je vais me déplacer. Il faut que j'arrive au Eastern Pacific, donc ici. Ah, je vais pas me déplacer. En fait, j'aimerais bien aller au Eastern Pacific remplir cette dernière case-là. Mais le problème, c'est que si je gagne trop de réputation, je perds. Donc faut que j'essaye de faire de l'incitation. Donc, je vais faire un déplacement. Je vais le faire quand même. 1 ici, et là je vais faire mon incitation. En pariant du Nemo à 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis toujours à la limite, mais c'est comme ça. Je place un cube. Je perds un de réputation. Et il me reste encore une action. Où je vais me déplacer ici et je vais me faire un torpedo sur lui. Allez, pas beaucoup de réputation, s'il te plaît. Zéro de réputation, très bien. Vu que c'est un non militaire, c'est 5 plus. Ça passe. Et voilà. Ok.
C'était mes dernières actions. Bon, faut vraiment essayer de gérer cette réputation, hein. Aventure. Test à 10. Si je le passe en crew et en coq. Si je le passe, je peux gagner 2 de ressources. Si je le fail, je perds un émo. Ok. C'est pas seulement, je perds un émo et je gagne 2 de réputation. Donc je suis à 1 de lose. Allez, du crew et de la coque. Ouais, ça passe en natif, très bien. Alors, je vais gagner 2 de ressources. Alors, 2 de ressources, bah directement. Hop, le crew, c'est trop important, à mon sens. Deux crew. Placement. Alors, 6, 5, 5, 2. Donc, 6, le 5, ok. Ok, et le 2. Ok, je choisis le 6 et le 2, ça me fait 4 d'action. Je ne peux pas inciter dans cet océan. Je le sais maintenant. Je vais essayer de faire une recherche de trésor. Pour essayer d'avoir des points, en fait. Pour essayer d'avoir des points pour inciter plus facilement. Allez, j'essaie de faire une recherche de trésor. Je parie de l'équipage. Oh là là. 1, 2, 3, plus 3. Ça me fait 6. Tout bêtement. Et c'est une lose. Et je perds un d'équipage. J'essaye de refaire ça et je parie de l'équipage. Alors, bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah, c'est pas un gros succès, mais c'est un succès. Je collecte du coup ça et un trésor. Ça me donne quoi? Ok, je défausse pour révéler un upgrade ou je garde pour 3 de trésor. Un peu déçu, je l'avoue. Donc, j'ai déjà eu 4, j'ai fait 2 actions, hein. J'ai fait une lose et une réussite. Je vais me déplacer. Alors, sur un océan qui n'a pas encore de. Alors, lui, il y en a un. Lui, il y en a un. Lui, il n'y en a pas. Ouais, lui, il y en a 3. Je pourrais les enchaîner. Allez, je me déplace ici et j'essaye d'enchaîner. Ça. J'essaie de faire une. D'inciter. Donc, je suis déplacé. Et j'incite. Ouais, c'est ça. Je parie. Du coup, 5, 6, 7 et 3, 10. Ça, 10 moins 1 à cause de ça. 9, ça marche quand même. Je mets un cube et je regagne un de réputation. Ok. Aventure. À garder. Quand le Nautilus est dans l'Atlantique Nord, je peux mettre cette carte dans le fail pour immédiatement faire une incitation gratuite ou une recherche gratuite. Ah, et où? Je vais faire une incitation et une recherche. Pour chaque chose que je fais, je gagnerai un de réputation. Et sinon, je mets dans les piles passées si c'est pas utilisé. Ok, phase de placement. 1, 1, 5, 5. 1, je ne peux pas. Donc, boum, boum, on va changer ces deux-là. Ah, pardon. 1 et 1. Waouh. 1, 1.
Et 5, 5. Alors le 5 ici, c'est sous plein, donc c'est encore deux autres cachés qu'on révèle. Ok, 5 et 5. Alors, 5 et 1, j'ai 4 d'action. Hop. Je vais faire un stall 4 actions sur lui. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, ça du coup, ça ne me donne pas de réputation et ça me permet de le couler quand même. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire une stalk sur lui. Il a 7 d'attaque. Parfait. 7 ou plus. Et il a un modificateur de moins 1 pour lui. Donc, son attaque ne passe pas. Je vais parier. Du coup, en stalk attaque, il a 10. Donc, du coup, à 3, stalk attaque à 1. Il faut que je fasse 6 ou plus. Oh, je fais 5. Oh là. Lose. Boum. Et ben je perds un de ressources. Boum. Parce que je perds. Allez, je le retente en stack attaque. Faut que je m'en sépare, sinon ça va être trop compliqué. Ouh, 6 pile, il a 7, mais vu qu'il a un modificateur de 1. Allez, 10, je parie. Allez, du Nemo cette fois. Oh non! 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. J'y arrive toujours pas et je perds encore un Nemo. Waouh! Là, c'est chaud là. Donc. Je vais faire ça. Hop, je le place dans les loupés. Ça me fait gagner deux crew, gagner deux réputations. Parce que je suis dans le Pacifique. Je suis à deux de perdre au niveau de réputation. Mais bon. Je peux plus inciter, surtout pas ici, parce que ça me ferait un moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est une mise en scène de l'échec. J'ai trois actions. Donc je vais faire 1, 2, ah non, 1, 2, moi ouais, je vais faire ça, 1, 2, donc ça me fait deux actions, je vais faire mon torpedo sur lui, j'avais oublié le torpedo, 6 plus vu que c'est un bateau de guerre, oui ça passe, torpedo européenne, hop, européenne si. Européenne, si. Ok. Et je vais essayer de faire une recherche de trésor avec un crew. Ici. Donc. Ouais, c'est une full réussite. Très bien. Hop, je prends deux trésors. Premier. Je défausse et je gagne deux de réputation. Oh non, c'est une défaite. Parce que j'ai cherché un trésor. Non! Et le deuxième, c'était défausser pour trouver deux trésors. Ah, la loose sur un trésor. Eh ben, c'est une défaite. Alors, petite explication de comment ça va se passer après pour le décompte. Bah là, c'est une défaite, c'est une défaite. Mais imaginons, j'étais arrivé à la fin du deck d'aventure, la carte finale. Donc j'en étais à 1. Oh, j'étais à 2 cartes de la carte finale. Oh. Enfin bon, comment ça se passait? On allait décompter toutes les cartes réussies ici selon la motivation de Nemo. Donc là, ça me faisait un nombre de points. D'accord? C'est pas la 1. Hein. Là, la motivation, c'est x4 pour les trucs de science. Donc là, ça me faisait 4 points. Donc on décompte tous les points qui sont ici. On prend les points également qui sont ici. Là, on a 8 d'équipage, 1 de science, moins 5 de Nemo, pour ce cas présent là. On allait décompter tous les points des bateaux qui sont ici. Donc il y en a énormément. Et également la tranche complète. Là, j'avais 23 points pour avoir rempli toute cette partie de tableau. Et on déclenchait tous les points de chaque individualité de bateau. Donc là, 5
et 1 de science. Donc là, c'est un truc qui me doit rapporter 9. Et à la toute fin, on a un décompte maximum. On décomptait aussi les trésors. Et ça nous donne un nombre de points plus ou moins conséquent. Et en fait, on a, c'est ce que je montrais peut-être dans la présentation, on a un livre d'épilogue selon la motivation pour savoir si c'est une grande défaite ou si c'est une grande victoire qu'on a par rapport ici. Et les carcans de points, c'est inférieur à 85, c'est une défaite. Mais alors moi, j'ai même pas le décompte de points, hein, je suis à 0. Et pour un triomphe, c'est 275 points et plus. Voilà, c'était Nemozoar pour la troisième. Yo! Bon, c'est quand même une défaite, hein.